Plumber Girl, ça te parle? C'est le chanteur des Massive Assault System. Et on a écouté un titre qu'il a fait, c'est un peu la chanson officielle de Marseille France 2013. C'est pas pour rien qu'on le passe, parce qu'il chante avec une chanteuse brésilienne. Et je crois qu'on va retourner du Brésil après. On peut envoyer ou pas? Ça arriverait, par contre c'est pour demain. Hein. De Marseille France 2013. Alors cette semaine, c'est ce qu'on appelle les coups de cœur de Marseille France 2013. On a la chance de recevoir des personnalités du territoire. On le disait, on a reçu Rod Fanny, on a reçu Soprano hier, le rappeur avec qui on a parlé de plein de choses. Et puis aujourd'hui, on va reparler foot, mais pas que. On va très peu parler de foot, on va parler de culture. Et j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir Joël Cantona. Bonjour Joël. Bonjour. Ça va? Oui, oui, très bien. Joël, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie. Donc on va pas commencer à faire des thématiques, tu vois, on va y aller droit. Non, merci d'être là, Joël. On voit cette photo-là, regarde, on va illustrer un peu hein, la rencontre. Est-ce que tu peux nous dire qui sont sur cette photo? Ben, là, il y a mon frère Jean-Marie, mon frère Eric et ma belle-sœur Rachida. Cette photo, je voulais la montrer parce que c'est l'ancien logo de Marseille France 2013, de la capitale européenne de la culture. Et je voulais vous remercier au nom de Marseille France 2013, des trois frères et puis Rachida, parce que vous avez toujours été des soutiens de ce projet.
depuis le début, avant même la candidature, et on peut raconter une anecdote d'ailleurs. Je vais la raconter, c'est le président du jury, ça s'appelle Bob Scott, c'est un Anglais. C'est le président du jury qui a élu, qui devait être en charge d'élire la ville française capitale européenne de la culture. Et Bob Scott m'a dit un jour, tu sais Cyril, dans la vie, il y a Dieu et Eric Cantona. Waouh. Et tu as eu la gentillesse de demander à Eric de faire une lettre, c'est ça? Oui, c'est à ta demande, à la demande de Bernard Latargé aussi. Oui, ben voilà, sur Bob Scott qui est quand même la personne la plus importante de ce capital européen. Donc je me rappelle qu'il restait Marseille en compétition et Bordeaux. Et Bordeaux et Lyon. Ouais, mais dans la dernière ligne droite, je me rappelle que c'était Marseille et Bordeaux. Et voilà, je pense que cette lettre est écrite par Eric à Sir Bob Scott, qui avait quand même un pouvoir de décision énorme, a fait peut-être la différence. Donc c'est important que tout le monde le sache. C'est pour ça que je passe cette photo, pour que tu le dises. C'est pour ça. Parce que vous avez toujours été des soutiens. Cette capitale européenne de la culture, ça apporte quelque chose pour ton territoire en deux mots, hein. C'est énorme. C'est énorme, surtout. Oui, Marseille. Et toutes les villes environnantes, que ce soit Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, mais tant d'autres aussi. On parlera d'Aubagne, parce que tu y vis, et puis on parlera d'une expo que tu as vue, qui t'a plu, c'est Picasso et la céramique. Donc, on recevait votre famille, tu as un point commun avec lui, c'est que tu as fait pas mal d'années de ta carrière à l'Olympique de Marseille. Tu as commencé ta carrière, tu l'as fini, entre-temps tu as joué en France, tu as joué à l'étranger. Et puis, tu n'avais pas encore fini le foot que le cinéma, la publicité commençait à s'intéresser à toi et avec Eric. Vous aviez fait notamment des pubs pour Bic, des pubs réalisées par Valérie Lemercier. C'est arrivé comment tout ça? Je ne peux pas trop l'expliquer, quoi. Je pense qu'on n'est pas issu du cinéma, si ce n'est que mes grands-parents, surtout ma grand-mère, était une femme qui adorait ce monde-là. Elle jouait la comédie en permanence dans le cabanon qu'on a sur la Côte Bleue. Donc on a été un peu imprégné de ça dans la jeunesse, mais bon, après, il y a des circonstances dans la vie qui font qu'on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Donc après, ma carrière de footballeur, elle est aussi liée avec celle de mon frère Eric, en tout cas quand on débute dans cette publicité pour les rasoirs. Et voilà, donc on est très heureux qu'on nous demande d'être l'effigie de cette marque mondiale. Et puis on demande aussi d'avoir un œil sur le script, mais aussi sur la réalisation. Quand on nous propose Valérie Lemercier, on sait qu'on va bien s'amuser dans cette publicité. Elle a marqué quand même les Français. On est très fiers en tout cas d'avoir joué cette scène. La télé aussi s'intéresse à toi, tu fais beaucoup d'émissions avec Patrick Rousseau chez Arthur. Ouais, ça j'en fais plus. Hein, tu as fait beaucoup. Vraiment, est-ce que c'était pas... Est-ce que vous faisiez les Marseillais de service ou pas? Ou est-ce que c'était... Non, parce que bon, il y avait plusieurs personnalités. Hein. Il y avait Victor Laszlo, des trucs comme ça. Mais moi, c'était une période. Voilà, moi, j'étais beaucoup à Paris. Arthur est devenu... On devait coproduire une émission ensemble. Donc après, il demande beaucoup les gens. Quoi. Donc, c'est devenu un copain, pas un ami. À Patrick, oui, c'est un ami à Patrick Rousseau, par contre. Moi, c'est devenu un copain, mais bon... On a servi ces émissions au même titre qu'elles nous servaient à nous aussi, quoi. Donc, mais c'était une période de ma vie, mais ça ne m'intéresse pas trop moi de faire des émissions de télé, si ce n'est que si tu as quelque chose à raconter. Mais là, tu faisais un petit peu... Ouais, c'était la fureur, c'était la télé, tout ça, c'est quand même des belles émissions. Mais c'est une période. Très, très, très regardé. On a parlé du cinéma, le cinéma très tôt, comme on vous appelle, Étienne Châtillès, avec qui vous tournez. Un film qui a marqué votre carrière, bon, s'appelle Le Bonheur est dans le Pré. Il y a La Grande Vie. Toi, tu joues dans Astérix et Cléopâtre, c'est ça, réalisé par Chabat, c'est ça? Ouais, mais qui marque. Des fois, il y a des petits rôles qui marquent. Suivez les bas, c'est ça que tu disais. Et puis, un film que vous tournez, que vous écrivez, qui s'appelle Les Collègues, qui a marqué les gens dans le Sud. Combien d'entrées? 400 000 entrées en France, à peu près? Ouais, 390, c'est ça. 390. Dont à peu près 380 à Marseille. À Marseille. Disons qu'à Marseille, on a battu le record d'Astérix 1 avec 140 000 entrées. Eux ont fait 139 000, c'est pas la même production, c'est pas les mêmes moyens. Mais dans le Grand Sud, il a vachement bien marché. Par contre, il n'a pas du tout marché à Paris. C'est
peut-être dû à un film particulier qui est plus de chez nous. Quoique après, il y a eu Les Ch'tis, vous voyez. Ouais. Les Ch'tis, il y a beaucoup de malice dedans, il y a beaucoup de marketing. Nous, on avait peu de moyens, on avait 1 700 000 euros de budget. C'était Louis Becker et Thierry Lhermitte qui produisaient. Ice 3, c'est ça? Exactement. Ouais. Et voilà, c'est un film qui a marqué les gens. On va regarder un petit extrait Super Mario avec Jean. Un extrait des collègues. Tu veux bien, Jean? Ah, ça, avec plaisir. C'est vrai. On attend avec impatience aujourd'hui la dernière ligne droite, c'est-à-dire le distributeur français, mais je pense qu'on va trouver. On a vu des acteurs dedans qui depuis ont fait du chemin, on pense à Patrick Brosseau, bien évidemment, on pense à Gérard Dubouche, qui est très bon. Gérard Dubouche, il a un spectacle en ce moment à Avignon, labellisé par Marseille Ponce 2013, ça s'appelle Les Pieds Tanqués, sur la pétanque. Et la pétanque est un prétexte pour parler de la guerre d'Algérie. Est-ce que c'est dans les deux, il y aura les mêmes acteurs? La notion de tribu, elle est importante là, chez vous. Oui, on va retrouver. Oui. Oui, d'accord. Oui, et puis on va retrouver les deux tiers des comédiens, mais on a voulu un petit peu agrandir l'équipe, quoi, pour donner encore beaucoup plus de force. Donc on a l'accord aujourd'hui de Sergi Lopez, de Simon Akkarian, qui sont quand même des acteurs reconnus et importants du cinéma français. Il y a certainement aussi un accord de principe qui sont donnés avec Lotit Kourou. Mais bon, on n'est pas sur la finalisation. En tout cas, Simon Akkarian et Sergi Lopez sont venus nous rejoindre. Et ça, c'est important. C'est une bonne nouvelle. Le cinéma, vous ne faites pas que jouer. Ton frère Eric avait réalisé un très joli court-métrage qui s'est nommé Borégon, qui s'appelle Apporte-moi ton amour, avec la voix de Loire, et qui, moi, j'aimais travailler. Vous avez aussi eu le désir de faire de la production. Et avec Jean-Marie, les trois frères, là, vous avez monté une société qui s'appelle Canto Bros. Vous avez produit le dernier film de Ken Loach qui s'appelait Looking for Eric. Et puis d'autres choses, qu'est-ce que vous produisez? Non, maintenant on a monté la société de production, Canto Bros Production. Pourquoi Canto Bros? Oui, là, c'est les trois frères, mais quand on était petit, on rêvait de l'avoir à Bros. Donc on s'est amusé avec ce titre-là. Donc Canto Bros Production, il a pour but de développer en fait des projets. Mm-hmm. Voilà, parce qu'on n'est pas des financiers, on n'est pas des producteurs délégués. En tout cas, on ne l'est pas encore. Peut-être qu'un jour on saura, mais. C'est pas notre première ambition, en tout cas développer des projets
Et on a commencé avec Looking for Eric de Ken Loach. C'est une histoire, en fait, à travers une femme qui a toujours qui a adulé mon frère, mais alors vraiment jusqu'à sur tatoué quasiment tout le corps d'Eric. Et mon frère Jean-Marie, sur une terrasse à la Corniche, où on était tous les trois, a eu cette idée de lancer ce projet. Et on s'aperçoit que c'était une très bonne idée parce que ce film a été vendu dans 32 pays. C'est une comédie, comme c'est très bien faire Ken Loach, et ça a été un véritable succès. Donc on est très fiers. Qui a été présenté à Cannes. En 2009, ouais, il était en compétition officielle à Cannes. On n'a pas eu le prix, on n'était pas loin, mais on a manqué le dernier tir au but, certainement. On se disait des fois, on se parle parce qu'on se voit et on ne va pas se cacher qu'on est potes. Le nom de Cantona, il est connu à travers le monde. À travers, ouais, mon frère Eric, il est. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que. Est-ce que ça vous aide pour faire des films, c'est la Non, ça nous aide pas. Il n'y a rien qui nous aide dans la vie. Je crois que si on a la volonté et le mental pour réussir sa vie, on peut, chacun d'entre nous, ici présent dans la salle, ou n'importe où dans le monde, si on veut, on peut. Mais pour ça, il faut suivre un chemin. Il y a des moments aussi extrêmement difficiles, quand on habite, je veux dire, dans des zones sensibles, des quartiers, tout ça. Mais il faut aussi en sortir pour pouvoir vivre et évoluer sur sa propre vie. Et de s'élever. Ouais. Et aujourd'hui, on a plein de moyens de s'exprimer. Et je pense que c'est. Moi, un jour, un ami à moi qui s'appelle Farid, qui est l'ami aussi de la famille, je lui dis, tu sais, j'ai un problème, c'est que je voudrais écrire, je ne sais pas écrire. Et il m'a répondu simplement, il m'a dit, mais tout le monde sait écrire. Et ça m'a interloqué, ça m'a travaillé pendant de longs mois. Et puis j'ai écrit un court-métrage, qui n'est pas sûr d'être à l'image, mais en tout cas il est écrit, et il est bien écrit d'après mes proches. Ouais, même très bien écrit. Peut-être j'ai des talents de scénariste, on ne sait pas. Pour le moment, peut-être on le saura un jour. Laurent Durbel, tu confirmes ? Il confirme. Avec Anthropos, vous avez coproduit un film que j'ai beaucoup aimé cette année, moi, qui s'appelle Les Rebelles du foot. C'est produit par 13 Productions, c'est coproduit par Anthropos, c'est réalisé par Gilles Roff. Et par Gilles Pérez, on va voir une petite teaser et puis on en parle après parce que oh, je crains pour faire des films comme ça. On peut regarder Elodie. Dead space and then we passed a couple of defenders. Leclerc, here's Cantona. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? La Ligue des Champions. Le montant de transfert, les tribunes qui sifflent, la violence, le business. Vous avez raison, c'est ça aussi le foot. Et moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs, des hommes. Je vais vous parler de mon football, celui que j'ai joué, celui que j'aime. Didier Drogba, Rachid Mekloufi. Predrag Basic, Socrates, Carlos Caselli, solidarité, fraternité, liberté. Je vais vous raconter mon football et pourquoi dans ce moment on a besoin plus que jamais. Parce que vous voyez encore aujourd'hui ce monde peut changer. Qui s'appelle Les Rebelles du foot, qui marche bien, qui est primé dans le monde entier. Quand on vous propose un projet comme ça, pas beaucoup d'hésitation, je suppose. Non, surtout, ce sont des valeurs qui. On est d'accord. Qui sont fondamentales pour nous. Tu donnes 13 productions, demande déjà à Eric de faire la voix off. Mm-hmm. Et on va plus loin ensemble, parce que c'est une rencontre aussi avec 13 productions, que ce soit les frères Pérez. Gilles Roff aussi. Et on travaille maintenant main dans la main tous les deux. Ce sont des gens très talentueux, font des choses originales. Et ça tombait bien parce que nous, on voulait faire aussi. Voilà, donc c'est une belle rencontre. Et Robin du foot, on peut trouver si vous pouvez acheter le DVD, mais je pense à la FNAC, mais aussi sur le site de 13 Productions. C'est un magnifique documentaire, c'est 5 séries de 26 minutes. C'est un documentaire de 26 minutes. Qui font en fait comme un long métrage. Ouais, comme un long métrage, et
fait, c'est l'histoire de ces cinq footballeurs qui viennent de voir, qui prennent position, chacun d'entre eux, dans leur pays, et qui marquent l'histoire d'un pays. Et qui font souvent renverser une dictature, comme c'est le cas de Socrates au Brésil. Parce qu'en 1980, le Brésil, comme vous le savez, est encore sous la dictature. Et c'est grâce à des gens comme Socrates que la démocratie, à travers son club, le Corinthians, va avoir lieu. Il y a aussi d'autres Caselli, le Chilien, qui refuse de serrer la main de Pinochet devant les caméras de télévision. C'est tout ce que le documentaire raconte et que Eric raconte. Cette notion d'humanisme et d'engagement, on va dire politique, d'acte politique, vous en êtes aussi, vous êtes les parrains de la Fondation Abbé Pierre. On voit une image là, où tu as fait un clip. C'est une carte, c'est ça, contre le mal logement. C'est bien ça, carte en rouge sur le mal logement. La Fondation Abbé Pierre, d'où ça vient cette implication dans la Fondation? C'est une rencontre que vous avez eue avec l'Abbé Pierre ou... Ouais, c'est à la demande de l'Abbé Pierre. C'est déjà là, dans un premier temps Eric, puis après mon frère Jean-Marie, et puis moi-même, devenu naturellement un parrain, parce que j'ai fait deux ou trois organisations avec mes frères. Qui s'appelait Rock'n Beach Soccer, qui avait lieu en indoor à Metz et à Amnéville, dans l'est de la France. Et comme ça, je suis devenu aussi parrain. Donc on est les trois parrains, tout à fait naturellement. On s'aperçoit que le seul besoin qu'on a, c'est d'avoir un toit. Quoi. Donc après, il y a l'éducation, on peut apprendre à lire, on peut apprendre à faire plein de choses avec un toit. Quoi. Donc c'est ce qui nous a sensibilisés. Dans ces concerts, je crois qu'il y a Cali, souvent. Oui. C'est un ami, c'est quoi ton rapport avec Cali? Je crois qu'il a écrit pour toi, il est en train d'écrire un peu pour toi. Ouais. On peut en parler un peu de ça? Tu as envie de faire du slam, tu as envie de faire plein de choses en fait. En fait, je ne sais pas, c'est-à-dire que dans des moments un peu plus, on va dire, calme, parce que j'ai travaillé des activités. Du beach soccer, on en parlera après. Hein. Complètement, et dans la production aussi. Je me dis que bon, il faut que je fasse des choses, donc... c'est ce que je pense vraiment, profondément. J'ai envie, mais c'est pas sûr que ça voit le jour, hein, mais j'ai envie de créer un opéra slam, donc avec des grands auteurs, des grands textes de la littérature française ou internationale. Et on va voir. On va suivre ça. Cali, là, c'est son dernier album, s'appelle Vernis les Bains, il est en tournée dans toute la France. Il y a les dates sur son site. Il y a Laurent qui est là, tu travailles avec Joël. C'est vrai, ça, qu'il ne peut pas s'arrêter de faire des choses et qu'il a toujours envie de créer, de faire des choses. C'est pas prévu, mais on s'en fout, tu vois. Joël, il a une idée à la seconde. Ah. Il faut suivre son idée à la seconde. Et toi, tu es chargé de mettre en place chaque idée ou... Il y en a beaucoup que tu gères. Il y en a beaucoup qui sont de côté et qui ressortent de l'autre, mais il y en a beaucoup qui restent aussi. Hein. Des projets. Il y a le beach, il y a autre chose. Le beach soccer, tu peux en parler, c'est à travers le fait qu'ils ont organisé des tournois, c'est ça? Vous étiez à Valence fin juin, là, 24, 25, 26 juin. Ouais. C'est à travers la France, comment ça se passe? C'est une étape européenne de l'Euroleague de beach soccer. Il y avait l'époque à Marseille. On n'entend pas bien, est-ce qu'on peut mettre les plus grands soins pour monsieur? Donc tu disais, c'est des étapes européennes. Voilà, c'est des étapes de l'Euroleague de beach soccer européen, donc il y en a un peu partout en Europe. Et il y en a une en France, qui cette année était à Valence, qui a été pendant de nombreuses années à Marseille aussi. Et voilà. Ça t'a permis toi de ne pas raccrocher les crampons de manière trop abrupte et de rester quand même dans le milieu du football, le beach soccer? C'était pour ça que tu l'as fait? Je l'ai fait parce que en fait moi j'ai besoin de créer quoi, voilà, et je trouvé avec mon frère Eric, parce que quand il a arrêté sa carrière à Manchester United, je lui ai dit écoute, on me propose un sport, je trouve qu'il y a quelque chose à faire, ça n'existe pas en Europe, et c'est le beach soccer, le sport sur sable, donc il est parti avec moi et mon frère Jean-Marie aussi dedans. Et ça fait maintenant 13 ans qu'on est promoteurs du beach soccer en France, on a cessé de le développer, on s'aperçoit qu'on est sur tout le littoral français. On a organisé avec la Fédération Française de Football la Coupe du Monde de beach soccer qui a été un grand succès sur les plages du Prado en 2008. On a fait 177 000 personnes en 9 jours.
Vous voyez que la famille Cantona elle sait faire des bonnes choses aussi pour sa ville. Mais oui, pas tout le monde. Ça fait beaucoup de jaloux tout ça, oui. Donc écoutez, à un moment donné, il faut repartir et faire des choses ailleurs pour peut-être mieux revenir ou pas. Il y a des choses qui vont changer aussi d'ailleurs dans cette ville. Je pense que dans 2-3 ans, ce sera une ville fantastique. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'ailleurs, de la ville qui change? On parlait avec Sopra du changement de la friche de la Belle de Mai. On a parlé avec Rotfani de toute cette esplanade, le Gical, le Musset, le vieux, le nouveau vieux port. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que... Bon, tu habites à Aubagne, mais tu es marseillais. Je trouve que Aubagne, c'est... J'ai vécu très longtemps à Marseille. Aubagne, c'est Marseille. Mais ce que j'en pense, je trouve ça très important pour notre ville. C'est le cas de le dire, c'est capital. C'est capital, je pense qu'on nous laisse une infrastructure, un outil formidable pour travailler de façon de maître pour les années à venir. La culture avait un déficit énorme dans notre ville, moins dans notre région, parce qu'Aix-en-Provence ou Arles, quand même, c'est une ville très culturelle, Aubagne aussi. Vous êtes impliqué dans la ville d'Arles, hein. Culturellement, Eric a fait des expos, vous êtes proche de la ville. Pas plus que le reste de la Provence, pas plus que Marseille, pas plus qu'ailleurs. Impliqué à notre façon. Quand on nous demande, on répond toujours présent. C'est le cas de ton invitation. Je te remercie parce que je pense que si on peut donner ce qu'on nous a donné, en fait. Moi, j'ai plein de souvenirs dans cette ville, toute ma famille. On est marseillais. Et je crois que le peuple marseillais, il faut lui donner une dimension. Ils voient très clair. Ce sont des familles souvent d'émigrés, des purs marseillais aussi. Je pense que ce peuple marseillais a besoin d'une vraie identité. C'est-à-dire qu'elle a besoin aussi à ce qu'on les encourage à faire des choses. Bien sûr. Et en leur proposant, comme il est proposé cette année, et c'est pour ça que les années qui vont arriver très vite, j'espère que ça sera pris en compte et qu'on n'oubliera jamais que la programmation culturelle et artistique de Marseille, pour parler de Marseille, sera peut-être, moi j'espère que Marseille sera une des plus grandes villes culturelles en Europe. Mais ça, je ne le vois pas avant 2020, il ne faut pas rêver. Mais nous avons c'est une logique formidable. On a posé, en tout cas Bernard Latarger, que tu connais et que ton frère connaît aussi, je pense avec l'équipe, poser les prémices. Ça, mais tu as raison, ça se construit dans le temps. On parle de culture, on parle d'artiste, on parle du territoire. Il y a un artiste istréen que tu aimes beaucoup qui s'appelle Laurent de Sokiu. Oui. Est-ce qu'on peut voir des images? Alors, qu'est-ce qu'il fait Laurent? Laurent, il fait de l'art brut et ça fait des années que vous êtes très proche avec ton frère, vous collectionnez ses œuvres. Qu'est-ce qui vous a attiré dans son travail? C'est lui, c'est son travail, c'est ça. Vous êtes très amis, sa personnalité. Qu'est-ce que tu aimes dans le travail de Laurent, qu'on voit à l'écran là? Bon, moi j'aime tout, c'est l'art russe, c'est l'art africain, c'est un autodidacte à la base. Ouais, c'est d'accord. D'ailleurs mon père qui a donné la peinture. Mon père qui n'a jamais voulu exposer, il ne faisait pas ça pour exposer. Et à l'âge de, je crois, 20 ou 21 ans, parce qu'aujourd'hui il a 43 ans, Laurent, ça fait 20 ans à peu près qu'il peint. Il a cessé de progresser. Il n'a cessé de progresser d'année en année et aujourd'hui c'est un peintre, un sculpteur reconnu dans notre région, mais de plus en plus en Europe, en France et de plus en plus dans nos pays frontaliers comme la Suisse, comme la Belgique. Je pense qu'il a un grand avenir et surtout c'est un maître aujourd'hui. Un jeune maître, mais c'est un maître. Ça c'est pas Laurent de Sokiu, mais c'est pas grave. Ça c'est Picasso. On en parlera après. Ah, pardon. Donc, toi, Cyril, que tu le connaisses, ouais. Tu le connais déjà assez bien, ouais, même sur plus de son travail. Parce que je suis très stressé. C'est pas Picasso, c'est Laurent de Sokiu. On en parlera tout à l'heure de Picasso, parce que je suis très stressé, parce qu'on a souvent des bugs. Mais c'est Laurent. Voilà, ça, c'est un abribus qu'il a fait à Istres. Voilà, il a des commandes de la Istres. Il est en ce moment à une salle d'exposition qui s'appelle Le Corbusier, au plan d'Abs, encore. Pas mal de semaines. Le plan d'Abs, c'est le territoire d'Auvergne, et ça me fait une transition toute trouvée. Tu habites en Auvergne, toi. Pourquoi tu es allé habiter là-bas? Marseille, ça t'a saoulé, la rue Fargès, tout ça, ça t'a saoulé? La ville? Non, ça m'a pas saoulé.
arriver, c'est de la vie, tu ne commandes pas. Ouais, tu vois. En fait, j'avais envie d'aller un peu dans la campagne. Voilà, parce que, c'est un choix un peu spécial. Moi, hein. Nous, on n'est pas des citadins à l'état pur. On a besoin de revenir à Marseille pour vivre des moments exceptionnels, comme un bon restaurant, comme prendre le bain de cette belle Méditerranée, ce littoral magnifique qu'on a. Mais voilà, après, on connaît tellement de monde aussi, qui fait que bon, mais quand tu vieillis, quand tu as un certain âge, ben, tu as envie de prendre un peu de recul et de détendre. Voilà, tout simplement, pas plus. Voilà. Je crois que... Je n'ai pas la même faculté de tolérance à la vie. Ouais, quand tu habites dans un centre-ville, quoi, tu vois, c'est un peu... Je crois qu'Éric habite aussi à Mauriès, Jean-Marie habite aussi à Saint-Cyr, toi tu habites au Bagne. Ça reste quand même pas loin. Hein. Ben, les villages, c'est à peu près ça, c'est pas tout à fait ces villes-là, mais presque. C'est en Provence. C'est pas ça, c'est pas Mauriès. Ça, c'est en Provence. Ça, c'est les heures de Laurent. On parlait d'Aubagne, il y a une expo que tu as vue cette année. Picasso et la céramique, c'est ça? C'est une expo qui est une expo associée. Parce que vous l'avez vu. Voilà, c'est ça. Tu vois, j'ai confondu le club de Laurent. Je m'en excuse. C'est une expo qui est... coproduite par Marcel Pons 2013, qui est une expo associée de ce qu'on appelle le Grand Atelier du Midi. C'est quoi qui t'a plu dans cette expo? C'est de découvrir que Picasso a fait autre chose. Moi, j'ai découvert que Picasso a fait autre chose que des peintures. À part les toiles, tout ça, je ne connaissais pas trop le travail de céramique qu'il faisait. Je pense que c'est quand même l'exposition de l'année 2013 en Provence. Quoi. C'est des céramiques exceptionnelles. Quoi. Donc, on s'aperçoit que ce mec était un fourru de travail, mais qui doit, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, l'art, c'est chacun l'esprit de sa façon. On peut en voir d'autres. C'est magnifique, les céramiques de Picasso. Ce qui est intéressant dans cette expo, c'est qu'on y voit aussi, on voit qu'il a fait des assiettes, des vases, des objets complètement utilitaires et de la vie. Tu vois, c'est-à-dire que c'était du Picasso qui était accessible. Bien, comme il était... travailler avec un céramiste qui avait un atelier, ils ont même fait des séries. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir du Picasso à la maison. Tu vois, il a un peu, on peut dire, cassé la frontière entre l'art, le grand art, et l'artisanat. Je trouve que c'est ça qui est important là, dans cette expo. Tu as pris plaisir à la voir? Ouais, énormément. Et d'ailleurs, il y a du monde. On voit un peu, il fait chaud. Hein. Toi, à part le beach, on l'a dit, un peu de scène, un peu de production, vous avez une série en cours là avec les cantons. Qu'est-ce que c'est que cette série Looking for Athènes, Looking for... Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, c'est des looking... En fait, c'est l'histoire, c'est mon frère Eric qui a eu cette idée, mais elle est très simple en fait. Mais on s'aperçoit que l'histoire d'un club, on la connaît pas. Je te pose une question. Qui a été le fondateur de l'Olympique de Marseille, le premier président? Alors, on va faire un jeu, il y a deux places. Ouais, tu peux y aller, hein. Je pense que... Il y a deux places pour l'expo Picasso à gagner. Voilà, on improvise un petit jeu, deux places pour l'expo Picasso à gagner. Moi, je ne sais pas. Et en fait, c'est ce qu'on raconte, voilà, c'est à travers deux grands clubs. En fait, c'est l'histoire de deux grands clubs dans une même ville. Donc, le premier, c'était Looking for Manchester. Bon, on va dire bien sûr, c'était plus facile pour le lancer. Les coproducteurs, ce sont la chaîne Canal+, on peut voir ces documentaires sur Canal+. Après, nous avons enchaîné avec le Looking for Milan. Voilà, par exemple, Milan, prenez un exemple, Milan, le fondateur, c'est un pasteur anglais. Bon, le football a été inventé par les Anglais, mais c'est un pasteur anglais qui crée le Milan AC, avec 40 membres, 40 apports à lui. Et au bout de 2-3 ans, ils ne font jamais jouer d'étrangers, le Milan AC. Donc, il y a 20 membres... Et la moitié des membres du club qui demandent au président, ce pasteur anglais, pourquoi on ne ferait pas venir un étranger, tout ça. Bon, il s'oppose. Alors, je ne sais pas si tu remontes dans l'histoire, je ne sais pas pourquoi. Et donc, en fait, ces 40 membres, ils sont dissous. Il y en avait qui créent l'International de Milan, l'Inter de Milan. D'accord. Et là, vont commencer à faire jouer, ils vont faire jouer les étrangers, tout étrangers. Ça. Donc, et quand Mussolini arrive au pouvoir, donc il y a aussi une dimension politique très importante dans les Looking For. C'est donc le documentaire qu'on produit. C'est quand Mussolini arrive au pouvoir,
Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce club, l'International de Milan, qui fait jouer des étrangers, tout ça. Il dissout le club pendant 4-5 ans, et jusqu'à ce que, que l'Inter de Milan retrouve ses lettres de noblesse, qui devienne un des plus grands clubs du monde. Donc voilà, c'est tout ça qu'on raconte. On a fait le looking for Barcelona, looking, excuse-moi de te couper, parce que je... Après, je perds le fil, en fait. Athènes, qui est en préparation. Ah, ouais, qui sera diffusé en septembre sur Canal+. Donc, on a fait aussi Looking for Istanbul, Looking for Buenos Aires, qui est fantastique. Voilà, donc c'est une série de documentaires. Deux villes, des villes où il y a deux clubs. Ouais, deux grands clubs de football dans une même ville. Donc, il y a la dimension sociale, il y a est-ce que le club à l'origine il est riche, il est pauvre, à qui il appartient. Par exemple, quand on a fait Looking for Istanbul, Galatasaray, on s'aperçoit que c'est le lycée français. À Galatasaray qui crée Galatasaray le club. Donc ce sont des Français qui créent le club de, le grand club de Turquie, Galatasaray. C'est tout ce qu'on raconte, c'est tout ce qui nous passionne avec mon frère Alec et mon frère Jean-Marie. Toi, à titre personnel, ça c'est ton activité de producteur avec tes frères. À titre personnel, tu es en train aussi d'écrire une pièce avec les chevaliers, avec monsieur des chevaliers du Fiel, avec Cyril Lecomte. Ouais, mais ça reste très off, c'est qu'en en fait... Ouais, mais en entre ouais, nous, non, mais en fait, moi, en fait, je crois que j'adore la scène, en fait. Ah. Ouais, mais je m'en aperçois maintenant, en arrivant à maturité, à un âge où on se sent bien, c'est-à-dire 45 ans, je me sens... Et qu'est-ce que tu as peut-être, voilà, j'ai une expérience qui fait peut-être une envie particulière, une voix... qui est moins ado, quoi, moins jeune, quand j'avais 25 ans. Donc, et puis bon, j'ai un peu de bouteille, j'aime bien la scène, donc je prépare maintenant, encore une fois, il faut travailler très dur, et dès que ça sera écrit, je travaillerai très dur, je prépare un one-man show, là, ça pouvait certainement, c'est le titre provisoire, la one-man show, parce que moi, on m'a toujours appelé jour, le quartier, ou jour, donc à la one-man show. Soit, je ne suis pas un humoriste, je n'ai pas envie de le devenir, ça sera entre les deux, quoi. Bien sûr il y aura des situations très drôles, effectivement, parce que c'est ce que j'ai envie de faire, mais ça sera original en tout cas. Et ce sera quelque part une critique sociale, qu'est-ce que tu as envie de dire? En fait c'est des tableaux, c'est des souvenirs de mon enfance, c'est en fait au lieu de dire séquence 1, séquence 2, c'est en fait dans l'écriture c'est je me rappelle 1, je me rappelle 2. Voilà, je ne peux pas plus en dire, mais c'est tous mes souvenirs d'enfance, toutes mes anecdotes, parce que j'y joue aussi en Hongrie. J'ai adoré vivre à Budapest, j'ai adoré jouer pour ce football hongrois, dans les Calanques, tous mes souvenirs d'enfance avec mes amis, ma famille. Voilà, il y aura des voix off de ma famille aussi, de mes amis, donc ce sera un genre de spectacle, si ça voit le jour. Encore une fois, je vais travailler très dur, je vais voir si j'ai le talent pour monter sur scène, mais je vais l'avoir. Tout à l'heure, je dis que c'est une question de volonté. Voilà, ce sera intime, au départ ce sera des petites salles, peut-être de 100 places, de 80, je sais pas, 150, on s'en fout quoi. Et j'ai aucunement envie d'aller au-delà du Grand Sud, en tout cas dans un premier temps. Après, si je suis bon, naturellement j'aurai peut-être à Buenos Aires, hein, je sais pas. En tout cas, tu parles du talent et de la volonté, c'est Brel qui disait, le talent c'est l'envie de faire des choses. Le talent, c'est l'envie de faire des choses. Le talent, pour moi, c'est l'envie de faire des choses, c'est le travail. On est d'accord. C'est le travail, tu vois, on n'a rien sans rien. J'ai été un footballeur professionnel, modeste. Voilà, mais en tout cas, j'ai toujours été assidu aux entraînements. J'ai toujours voulu réussir ce rêve d'enfant que j'avais que de devenir footballeur professionnel. Je l'ai fait dans ma ville, je l'ai fait à l'Olympique de Marseille. Dans mon club, c'est pas donné à tout le monde déjà. Deux, c'était dans les années où les étrangers ne partaient pas à l'étranger, enfin les Français ne partaient pas à l'étranger. Et les étrangers, ils venaient en France, mais c'était de catégorie A. Il n'y avait que des grands joueurs étrangers. Et puis à l'époque, on était 13 sur la feuille de match aussi, on n'était pas 17 comme aujourd'hui. Donc déjà, d'être positionné en tant que joueur, que ce soit titulaire ou remplaçant, mais en tout cas dans les 13, c'était pour moi déjà une grande fierté. Un honneur, ouais. Et ouais, un honneur, tout ce que tu veux, mais voilà, c'était pour moi avant tout ce que je le faisais parce que depuis ma tendre enfance, je rêvais de faire ce sport que j'aime du tout. Qui vous a donné beaucoup, quand même. Hein. Qui t'apprend tous les jours. À la famille, hein. Tous les jours, ça dans la vie, tous les jours, ça t'apprend à. Voilà, même dans mon travail. Mon travail, il y en a qui s'usent au bout d'une demi-heure dans une conversation. Moi, je peux tenir 2 heures, 3 heures. C'est ça aussi, c'est un rythme, c'est un entraînement.
Voilà, mais tout ça dans une grande. Comment dire, humilité. Ce qui me caractérise, c'est-à-dire ouais, humilité. Et, voilà, mais je crois qu'on ne triche pas avec les gens. Et si tu ne triches pas avec les gens, bah, tu peux faire des choses sympas et donner du plaisir ou en recevoir. Alors, les gens, ils sont là, on a un micro qui est là. Voilà, si c'est Laurent qui l'a gardé. Mireille, ça va ? On peut saluer la présence de Mireille, je reste avec toi. On ne peut pas. Mireille, bien sûr. Ça va, Mireille ? Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Jo ? Puis après, on se quittera doucement avec. On va mettre une petite chanson de ton ami Cali. T'embêtes pas ? Ah ouais, ça, c'est l'ami de notre famille aussi. Je sais. Est-ce que quelqu'un a. On a même. Avec Cali, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en fait, c'est mon frère Eric qui nous présente une soirée et tout. Puis après, voilà. On a fait plein de choses avec Jean-Marie, Eric, Cali et moi-même. Parce qu'en fait, l'histoire de ses grands-parents et la tienne, et miennes, du côté de ma mère, c'est à peu près la même histoire. C'est-à-dire c'est que, franco, c'est. Ouais, c'est. Ils ont fui le régime franco, ils se sont retrouvés dans des camps à Argelès-sur-Mer et ça nous a aussi rapprochés. C'est pas qu'à travers la musique ou le sport, bien évidemment, c'est ce qui nous a rapprochés en premier, mais après, c'est l'histoire de nos familles. Et la nôtre. Il a fait une très belle chanson qui lui rend hommage à ton frère. Qui est magnifique cette chanson. Magnifique. On l'a ou pas ? On l'a pas. Non. On peut la trouver ? Tu veux qu'on la mette ? Non, on va en mettre un autre. Est-ce que. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Claude. Je suis brésilien. Je viens de Rio de Janeiro. Et alors là, je viens poser la question, un grand foutu de l'air. Est-ce que vous avez le projet pour aller au Rio, à la Coupe du Monde ? Est-ce que tu vas aller à Rio pour la Coupe du Monde ? Un projet. Est-ce qu'il y a un projet pour la Coupe du Monde en Rio de Janeiro l'année prochaine, 2014 ? Je pense qu'on va y aller, ouais, à la Coupe du Monde au Brésil. On adore le Brésil. Puis on a des grands souvenirs avec mes frères, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais... Sur la plage de Copacabana, devant 12 000 personnes, parce que le stade contenait 12 000 personnes, on a gagné la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde FIFA de beach soccer. On rappelle que le Brésil était amené par Romário, la Seleção du Brésil, mais ils avaient perdu au pénalty contre le Brésil en demi-finale. Et nous, en finale, on en avait profité pour battre les Portugais et venger un peu le Brésil. Donc on est devenu champion du monde, donc vous savez qu'on a des grands souvenirs au Brésil, et surtout dans votre ville, Rio de Janeiro. Et dont mon ami habite aussi, Paulo César, qui est devenu un grand ami. Oui, Paulo César, c'est un ami à moi aussi. J'habite à côté au Leblon. Ah, on est entre collègues. Marseille et Rio, c'est. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. C'est similaire, Marseille et Rio. C'est similaire pour beaucoup de choses. Des villes qui se ressemblent. Oui, oui, souvent on dit Marseille, ça ressemble à Barcelone. Pas du tout. Pas vrai, tu as raison. Pas du tout, pas du tout. Mais par contre, Rio et Marseille, il y a quelque chose, bon, bien évidemment. C'est que Rio c'est plus grand, c'est peut-être 10 ou 12 millions de personnes, mais c'est vrai que tout ce qui est le littoral, les gens, l'ambiance, Marseille et Rio, ouais, c'est. D'ailleurs, il faudrait faire un jumelage entre les deux villes, il faudrait demander au ministère de qui ? Ou peut-être à la ville de Marseille et de Rio de faire un jumelage entre Rio et Marseille. Qui c'est qui peut faire un jumelage entre Rio et Marseille ? Qui c'est qui s'occupe des jumelages de Rio ? Vous, madame ? Prenez le micro, expliquez-moi. Non, c'est trop tard. Il y a déjà Montpellier qui est jumelé. Il y a déjà. Ah, c'est trop tard. Non, mais c'est bien. Déjà Montpellier nous a. Okay. Mais il ne peut pas y avoir deux villes. Je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce qu'on a une autre question ? Même là, il n'y a pas de. Bonjour, ça va ? Jour, ton actu, beach soccer, c'est quoi ? C'est encore des tournois là dans l'été. Le beach soccer, l'actu, ouais, non, là on va au championnat d'Europe du côté de Barcelone, on ne rappelle plus le nom, mais entre Barcelone et Valence. Donc là on est en ce moment sur le littoral français avec le FFF Beach Soccer Tour, mais ça ouais. c'est plus de l'initiation, c'est pour les gamins, c'est toute la jeunesse qui se retrouve. On a 12 villes d'étape en France, on part de Quiberon, on passe par Saint-Jean-de-Mont, on en part Cagnan-Roussillon, etc. etc. Voilà, c'est un beau sport et il a un bel avenir. Donc on espère que.
Mais en tout cas, que de plus en plus d'adeptes se mettront au beach hockey dans les années à venir, parce que la nouvelle génération de jeunes est friande de sports beaucoup plus ludiques, beaucoup plus fun. Et le beach hockey, c'est le parfait sport pour la jeunesse. Donc on est en train aujourd'hui avec la Fédération Française de Football, avec qui je suis partenaire privilégié. Enfin, heureusement, puisque nous avons créé avec mes frères le sport qui n'existait pas. Donc avec la Fédération Française de Football, on a tout un programme de développement où on construit des stades, parce que bon, pour pratiquer un sport, il faut automatiquement des infrastructures. Et donc là, nous avons 60 stades référencés à l'année de beach hockey, mais il faudra qu'avant l'Euro 2016, on en ait au moins 200, puisque en étant une alternative du football, il faut aller aussi dans les terres, et donc automatiquement des structures de beach hockey, mais qui peuvent être en synergie avec le beach volley ou le beach handball, tous ces sports de sable qui ont toute sa place aujourd'hui. Le rugby aussi, hein, le beach rugby aussi. Je crois que ton frère il a fait avec Pascal Olmeta la semaine dernière un match caritatif entre foot et rugby, c'est ça? Ouais, c'était ça, c'était à Toulon. C'est super d'ailleurs, c'était un grand succès, hein, le stade était plein. Et c'est l'idée de Pascal Olmeta, il a des belles idées, c'était pour l'association. Son association de l'association des hôpitaux en Corse pour les enfants. Ouais. Le principe, c'était des joueurs de foot et des joueurs de rugby, et c'était une mi-temps de chaque sport. Hein, c'est ça, même si je crois que vous êtes au courant, hein, c'était l'OM contre le Racing. C'est ça, de Toulon. Fait pas le Racing. Le RCT. RCT, quoi. C'est ça, tu dis comme ça, j'en sais. Ouais, mais c'est le rugby club toulonnais. Ça a été une mi-temps football et une mi-temps rugby. Mais bon, tout le monde s'est régalé et c'était un bon moment. On a une question. Parce qu'il le fera l'année prochaine d'ailleurs. Bonjour, moi je vais. Ouais. Non. Monsieur, bonjour. Joël, tu nous as dit que tu aimais beaucoup de théâtre. Est-ce qu'en avant-première, tu peux nous donner un bon souvenir, un de tes meilleurs souvenirs sur la scène? Ouais, en fait. En fait, c'est plutôt à l'image, quoi, à travers des films, tout ça. Mais au théâtre, bon, j'avais fait. Il devait se faire une pièce de théâtre, mais bon. Pierre Santini n'était pas en forme. Pierre Santini, c'était Gélas qui devait mettre en scène. Donc j'ai fait 6 jours de répétition, j'ai appris pendant 4 mois. Je connaissais le texte par cœur, à l'arrivée, ça ne se joue pas. Donc on avait Paris, on avait Avignon. Mais lui, bon, je ne connaissais pas son texte. Enfin, j'ai pas aimé parce que je me dis comment un grand professionnel du théâtre ne connaisse pas son texte en sachant que tu vas jouer avec un mec qui débute au théâtre, quoi. Donc ça je l'ai pas compris. Maintenant Pierre est un copain, je le connais pas beaucoup, mais voilà, mais en tout cas ça m'a perturbé, ça m'a empêché de monter sur scène pour la première fois. Mais ouais, autrement j'ai fait des petits trucs sur scène, mais de très important, de très marquant. Mais voilà, on espère à l'avenir. Ah ouais, non, ça c'est un très bon souvenir. Après, il y a des codes dans le théâtre, tout ça. Donc, moi, je ne savais pas que j'étais capable d'apprendre, je ne sais pas, 100 pages, quoi. Hein. Puis après, c'est ton personnage, puis c'est l'autre. Après, c'est pas là. À nouveau la réplique, puis c'est l'autre, puis c'est l'autre. C'est difficile. Donc je suis très fier, en tout cas, d'avoir joué cette petite partition sans avoir pu m'exprimer dans les deux beaux théâtres qui étaient programmés. Donc ça, c'est une partie remise, j'espère un jour pouvoir le faire ou pas. Moi, je vis le jour. Donc, même si quand même, ouais. J'ai une carte. C'est important d'avoir une carte. On est d'accord. Tu dis, j'apprends, je pensais que je n'étais pas capable. Vous avez beaucoup d'amis acteurs, je suppose, les trois frères. Est-ce que tu demandes des conseils à des acteurs que tu connais, avec qui tu as des liens, ou est-ce que tu te dis je vais le faire comme je le sens? Non. Quand on a tourné Le Bonheur est dans le Pré avec mon frère, on a été 3 semaines dans le Gers. Il est évident que là tu nous une passion. Et quand tu parles, on a parlé longuement avec Jean Michel, Michel Serrault, même Carmen Maura qui a fait tous les films de Pedro Almodovar. Il te donne là. En fait, je sais pas l'expliquer ça. En fait, c'est qu'on doit avoir dans la famille un
qu'on nous demande, quoi. Alors qu'on est issu du football, rien à voir avec le cinéma, rien à voir avec. Alors comment tu l'analyses ça? C'est vos têtes, c'est vos gueules, c'est votre attitude? Je sais pas, c'est votre démarche, c'est venu comme ça, alors. Je peux pas. Ce que tu dis, c'est intéressant. À l'époque, quand on a fait ça, Eric, on le sait, c'est une star à travers le monde. Donc que les gens lui demandent de jouer dans des films, c'est normal. Mais toi, qui te demande à toi? Tu vois? Est-ce que c'est. Mais bon, à un moment donné, j'ai certainement aussi. On a 17 mois d'écart avec Eric. Peut-être qu'il y a aussi cette fratrie. Et voilà, Jean-Marie, Eric, on a même. Je veux dire, il y a quelqu'un, Carlo Olive, qui a sorti un livre sur les fratries. Et dedans, il y a aussi les trois frères Cantona, donc il y a aussi les frères Bob Danoff, il y a les frères Drucker, etc., les frères Spanghero. Et donc, il explique très bien dans ce livre. Et Jean-Marie, qu'est-ce qu'on est? C'est Jean-Marie, pour le lire, ce livre, d'ailleurs. Jean-Marie, ça n'a jamais... Ça lui a jamais plu de jouer au cinéma? Il joue un peu. Ben, Jean-Marie, il a son parcours propre. Et je veux dire, Eric Joël, au départ, en étant footballeur professionnel, sans Jean-Marie, qui nous soutient, qui nous porte, qui nous aide, qui nous donne le chemin à suivre pour réussir. Parce qu'il faut beaucoup de travail, encore une fois. Si Jean-Marie, qui aimait la fête à un moment donné, pendant les 2-3 ans de sa vie, quand il avait 20 ans, 23 ans, et ça arrive dans les footballeurs et sportifs de niveau aujourd'hui. Si tu es entouré de gens de dire oh, j'aime la fête, venez avec moi, etc., on va là-bas, on va à Nice, ça passe par Saint-Tropez, tout ça, on se perd. Et lui, il nous a su toujours nous protéger. Et après, logiquement et automatiquement, il a fait aussi. Son chemin, il est un des grands agents français de football, il est aujourd'hui le producteur de Canton Cross Production, puisque c'est lui, c'est Eric Joël accompagne Jean-Marie, c'est un truc qui le passionne, donc il a trouvé sa voie maintenant depuis 10 ans, mais voilà, il était aussi dans le sport, ça a été un très très bon joueur amateur, il a été trois fois, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais trois fois champion junior Préterium. À l'époque, il y avait Nice, la S Cannes, la S Monaco, etc. etc. Et il pouvait faire une carrière professionnelle aussi de football. Mais il n'a pas voulu, c'était l'aîné. Il devait aller au Sport d'Angers, il devait signer un contrat d'aspirant. Et il n'a pas voulu. Voilà. Après, derrière, il allait voir mon frère à Auxerre et il disait putain, j'aurais dû signer l'année dernière. Hein. Mais il a laissé passer le train. Par contre, il a été dans le domaine du sport pendant 10 ans, quand tout le monde faisait une carrière de footballeur. Il avait, lui, un magasin à Istres qui s'appelait Cantona Sport et il servait toutes les associations sportives de la région. Et maintenant, tu disais, il est l'un des plus grands agents français. Il a beaucoup d'internationaux d'ailleurs, il s'occupe de la carrière de il s'est occupé de la carrière de Barthez longtemps. C'est des managers agents qu'on a envie d'avoir, quoi, parce qu'il y a tellement de malhonnêteté dans ce métier que lui, comme une vingtaine, hein, parce qu'ils sont peut-être 400 ou 500 agents, mais il y a une vingtaine qui a une vraie crédibilité, et je crois qu'aujourd'hui, le footballeur, avec toute sa dimension et l'image qui est de plus en plus importante, je pense qu'elle doit être encadrée par des bons agents. Je crois que c'est important pour l'avenir, comme se fait un peu dans le tennis. Ouais. Dans le tennis, il y a toujours eu des agents de grande qualité. Voilà. Mais c'est son métier, mais il a un deuxième métier, comme je vous disais, c'est aujourd'hui la production à travers Canton Cross Production. Et il le fait parfaitement. En tout cas, ce qui me qualifie, c'est la fraternité, l'amour. L'amour, puisqu'on parle d'amour, on va écouter pour se séparer la chanson de cœur qui s'appelle Et tu ne démentiras pas, ça s'appelle L'amour est éternel. On écoute. Allez, avec plaisir. On se réveille chaque jour. On s'est endormi, toi comme toujours à droite, moi à gauche du lit. Je regarde ton dos comme une vieille amie. L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. On a déjà perdu, mais pour les autres, il faut tenir debout. Seuls les ivrognes n'ont pas remarqué les descendants peureux au fond du fameux trou. Je me souviens de l'heure. S'est embrassé, l'amour est éternel, jusqu'à
jusqu'à ce qu'il s'arrête. L'amour est éternel, l'amour est éternel, l'amour est éternel, l'amour est éternel. Je me souviens de l'amour, on s'est embrassé. L'amour est éternel, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je me souviens du vent où l'on s'est effleuré. J'étais le plus timide, tu étais la plus belle du lycée. As-tu rêvé d'un autre depuis? Ai-je rêvé d'une autre vie? L'amour est éternel, jusqu'à ce qu'il s'arrête. L'amour est éternel, l'amour est éternel, l'amour est éternel, l'amour est éternel. Je me souviens de l'amour. Je t'entends sangloter du bout de notre trop grand lit. Éternel, merci beaucoup. Jean, tu veux rajouter quelque chose? Non, je disais que c'est un auteur, un compositeur, un interprète exceptionnel. Surtout auteur, il écrit des belles chansons, des très très belles chansons. Et puis il est de Perpignan, il est de chez nous, quoi. C'est un mec qui est magnifique. Mais tu le sais qu'il est magnifique. Je le présente. Avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir été là, Jean. On retrouve toutes les infos sur le Beach Soccer sur www.beachsoccer.fr ou sur le Facebook du Beach Soccer officiel. C'est ça, Laurent? On te dérange, Laurent. C'est tout, c'est ça. Merci, Joël, de ta présence. Demain, à la même heure, à 17h, un autre domaine, mais un Marseillais aussi célèbre, s'appelle Jean-Pierre Foucault. Il viendra nous parler, entre autres, il viendra nous parler de son enfance à Marseille, de son papa qui a été un résistant, et on parlera des projets liés à la résistance, des projets de Marseille France 2013 liés à ce domaine-là. Jo, merci. Rentre bien au bagne. Et puis, bonne route pour Canton Rose, pour le Beat Soccer, pour le cinéma, pour le théâtre, pour la chanson, pour l'opéra. Et pour là, tu vas lever deux trucs, certainement, dans un an. Mais comme tu as mis l'idée dans la seconde, j'enlèverai peut-être deux trucs, mais il y en aura 50 plus. Attends, je cadré, je travaille. Là, c'est toi qui as voulu parler de ça. Tu sais pourquoi je voulais en parler? Parce que je voulais aussi que tu expliques que tu avais d'autres cordes à ton arc, que tu avais aussi des choses et que tu avais envie. Parce que je sais que tu aimes la poésie. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup de poésie quand on se voit. Tu aimes la poésie, tu aimes la chanson, tu aimes la peinture. La pétanque. Merci, Jo. J'essaie de t'aider, putain. Alors, pétanque, c'est un tous les films de Marcel Pagnol, c'est aussi... Moi, c'est un art aussi, la pétanque. Tu joues? Sport et culture. Sport et culture, mais on reviendra parler de sport et culture, parce que tu as fait des choses aussi avec Richard Rojard, il a fait des jolis portraits de vous, de boxeurs, tout ça. Vraiment, on avait des heures à faire. Merci, Joël. Je crois qu'on peut applaudir Joël pour sa gentillesse. Merci à Laurent, merci à la technique, merci aux filles de m'avoir aidé à préparer tout ça, parce que voilà, Barbara a cherché beaucoup de choses. Barbara, elle connaît, Barbara, c'est la jeune fille, en fait, ça connaît. Elle est de Milan. Et elle a tout cherché. Elle connaît ta vie par cœur, elle m'a donné plein de trucs. Elodie, Audrey, Renaud. Et oui, Hervé, je vous remercie tous les jours. Merci Hervé. Ciao, ciao. À demain avec Jean-Pierre Foucault.